Et dès ce soir, si Saran arrivait à s'imposer ou à faire match nul, et que de l'autre côté on suivrait en parallèle le match entre Célesta et Valence, si Célesta s'inclinait à Valence, et bien tout simplement Saran accéderait et serait champion, accéderait à la première division et serait champion de France de deuxième division. Gaisen, la parade de Gandéa, c'est derrière, c'est repris victorieusement. Le but. Nicolas Bordier. Quelle action d'Aglio, encore une fois très physique, un contre un systématiquement, et du coup on n'en demandait pas moins. Allez, suspension, tir croisé. Qui saccade un petit peu. Et la parade de Jeff Lettens, de retour au jeu, c'est Mir. Jeff Lettens qui répond à Ricardo Candeas, mais derrière, eh bien, il y a un but marqué par Nicolas Bordier. Ouais. Cette rencontre. Oh, la parade de Jeff Lettens qui s'interpose face à Johanou. Le problème c'est que c'est brouillon leur montée de balle, voilà, Vazab qui rentre, voilà, quelle passe. Et le but encore de Nicolas Bordier. Ouais, Bordier contrôle systématiquement sur les fins de montée de balle, ça court, ça va vite, et vraiment, effectivement, Taskovic a du mal sur le repli défensif. Moyembo avec Gaisen, Moyembo encore, le croisé avec Akvilo qui va très haut et qui marque. Quelle puissance de la part de ce joueur, et il n'est pas en LNH. Bien fait, Gaisen qui marque, lui qui est le meilleur passeur hein, de cette équipe de Saran et qui peut également conclure, c'est bien. Oui, mais là la solution est... Match nul à la pause, 12-12 entre Saran et Ponto alors que Célesta mène à Valence. Et un petit peu plus. Match de Rouen. Akvilo. Oh là là, quelle puissance. Akvilo. Fait les 1 contre 1. Ouh là là. Oh là là, ouais. Super Moyembo ce qu'il a fait. Cette fixation. Ils ont de la chance, c'est Aguilo, hein, qui est revenu au poste d'arrière gauche. Voilà Wasab ce qu'il est capable de faire. Ça va mieux hein, depuis quelques minutes. Mon Perrin au poste de pivot à la place de Bordier. Oulala, Moyembo. La parade de Condelia, c'est derrière, c'est repris victorieusement. But marqué par Perrin. Oh. Ah, j'ai plus. Cadeau, il est tout seul devant. Et but. Quelle ambiance ici, le but de Jean-Baptiste Poiseau. Le fameux plus 3 qu'on attend depuis le début du match pour pouvoir souffler un petit peu à 12 minutes de la fin. Croisé sur croisé en ce moment. Ça joue très bien, oui. Et Poiseau, il va obtenir le passage en force. Très très bonne rentrée de Poiseau. Cette formation Loiretten qui se dirige vers la victoire inexorablement. Allez Aouari, il faut la bonne à Aouari. Il peut marquer son but, c'est énorme s'il marque. Et voilà le but d'Ahmed Aouari. Il est au sol, 43 ans, son dernier match à domicile, un monument. Quelle histoire. Il y a un truc à tourner avec l'histoire d'Aouari sur le handball. C'est beau de finir comme ça. Et Lettens qui finit le spectacle. Les dernières secondes. Oh, Poiseau. But marqué par Mbemba qui participe également à la fête. 29-23. C'est beau pour cette équipe. Cette salle est en ébullition. C'est beau pour l'équipe de Saran qui finit sur une belle note. But d'Aouari, but d'Mbemba pour tous les efforts qu'il fait en défense. Et on a pratiquement le même score hein, entre Valence et Célesta et Saran-Ponto.